monde, bienvenue sur chaîne actualité nous attaque Info Plus avec Zaminou Fabula Jean-Chol. Encore une autre fois, nous comptons rentrer la caillou pour une autre rubrique information qui va commencer dans quelques secondes. Dans la 76e Assemblée générale des Nations Unies, Claude Joseph, qui est ministre des Affaires étrangères qui était présent, et bien t'a parlé sur la situation actuelle pays d'Haïti, sur ça qui vient avoir ensemble avec maladie coronavirus qui continue vraiment à faire une rage qui débordante, bien que nous pas vraiment focus actuellement là sur maladie coronavirus. Bon côté parle, Premier ministre Ariel Henry lui-même qui était en direct dans la primature, te bail un discours qui gen awe ensemble avec assassinat président républicain Jovenel Moïse. Côté et mais Ariel Henry lui-même lui fait connait que pas gen personne qui pral vinn entraver la justice, pas gen personne qui pral vinn empêcher autorité policière yo fait travail yo pour président de la République lui-même, li capable jeune justice, yo moun qui te placé toute confiance si, deux jours avant que yo te arrivé assassiné. N'a pas entendu le discours si là et puis n'a pas tourné. Monsieur le Président, Leur Excellence, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire Général, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, pour la deuxième année consécutive, la session ordinaire de l'Assemblée générale de notre organisation se tient en pleine situation pandémique. En effet, depuis bientôt deux ans, le monde croule sous le poids des conséquences désastreuses de la pandémie de COVID-19. Les morts se comptent par millions, les personnes affectées par centaines de millions. Nos systèmes sanitaires sont mis à rude épreuve et l'économie mondiale est exsangue. Face à cette situation, pour limiter les dégâts, les mesures de précaution et de restrictions sanitaires sont inévitables. Pour cette raison notamment, le Premier ministre, Son Excellence Dr. Ariel Henry, n'a pas pu faire le déplacement pour participer physiquement au débat général. Je vous invite donc à écouter son discours de circonstance préenregistré. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne écoute. Je veux saisir cette opportunité pour vous exprimer ma reconnaissance pour votre soutien constant au peuple haïtien et surtout pour l'engagement renouvelé et solidaire de l'organisation envers mon pays. Je m'en voudrais de ne pas réaffirmer toute l'appréciation du gouvernement de la République d'Haïti pour l'initiative du bureau de la 75e session de l'Assemblée générale d'organiser une cérémonie d'hommage le 14 juillet 2021 à la mémoire de Son Excellence le président Jovenel Moïse. Il est décédé tragiquement sous des balles assassines dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Les messages de réconfort et les témoignages de sympathie des gouvernements, des États membres de l'organisation ont été appréciés à leur juste valeur par le peuple haïtien. Je veux réaffirmer ici, à cette tribune, ma détermination à tout mettre en œuvre pour trouver les co-auteurs, les complices et les commanditaires de ce crime odieux. Rien, absolument rien, aucune manœuvre politique, aucune campagne médiatique, aucune distraction ne pourra me détourner de cet objectif, rendre justice au président Moïse. C'est une dette envers sa mémoire, envers sa famille et envers le peuple haïtien. L'enquête judiciaire en cours est difficile. Il s'agit d'un crime transnational. Et pour cela, nous sollicitons formellement une entraide judiciaire. C'est une priorité gouvernementale pour la nation tout entière, car ce crime ne doit pas rester impuni. Et les coupables, tous les coupables, doivent être... Puis devant, Premier ministre Ariel Henry lui-même, lui parlait sous cause insécurité à qui continuait à faire rage en dans le pays d'Haïti. Et selon lui-même, c'est parce que l'insécurité, ça a été un problème, il y a un plus gros défi que l'été gagné pour l'été relevé, qui fait l'été formé rapide au presto, le gouvernement qui prend gagné notamment pour le travail sous affaire et sécurité. Si là, n'a pas entendu déclaration Premier ministre Ariel Henry, et puis n'a pas tourné pour cette information. Dès que j'ai pris la tête du gouvernement,
Mon souci principal a été de tout mettre en œuvre pour faire revenir mon pays, dans les meilleurs délais possibles, à un fonctionnement normal des institutions démocratiques. C'était le vœu du président Moïse et c'est l'objectif qui a guidé jusqu'ici et qui continuera de guider mes actions. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais je suis appelé à gouverner alors que la quasi-totalité des institutions démocratiques n'existe plus ou sont totalement dysfonctionnelles. Face à une telle situation, et dans le souci de résoudre les problèmes politiques majeurs auxquels le pays est confronté, notamment l'insécurité insupportable, le dysfonctionnement du pouvoir législatif, la faiblesse caractérisée du système judiciaire, j'ai dû former rapidement un gouvernement en vue de prendre en main les affaires de l'État. Mais il était évident que seul un dialogue avec les partis politiques et les acteurs organisés de la société civile pouvait permettre de dégager un consensus suffisant en vue d'assurer la stabilité sociopolitique. C'est dans cet esprit que depuis mon arrivée à la tête du gouvernement, j'ai multiplié des rencontres et des discussions avec tous les secteurs de la vie nationale indistinctement pour créer un climat sociopolitique apaisé, indispensable à l'organisation d'élections générales crédibles, transparentes et inclusives dans les meilleurs délais. À mon sens, il est indispensable de retourner à un fonctionnement normal des institutions en remettant la direction du pays à des élus jouissant de la confiance de la population. Il y a quelques jours, le journal officiel a publié l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire que j'ai négocié et signé avec des acteurs majeurs de la classe politique, de nombreuses organisations populaires et de la société civile de tendances diverses. Cet accord prévoit la création d'un environnement sécuritaire apte à favoriser une large participation des citoyens et des citoyennes aux prochaines élections. Il met en place un mécanisme qui oblige le gouvernement à être transparent et à rendre compte. Tous les secteurs de la vie nationale auront leur mot à dire dans l'élaboration d'une constitution qui sera adopté après une consultation populaire. Il s'agit là d'une étape importante dans le processus de rétablissement de l'état de droit et des institutions démocratiques. Malgré cette large participation, nous restons ouverts pour poursuivre les discussions afin d'étendre le consensus. Nous voulons obtenir l'adhésion d'autres compatriotes à ce projet commun visant à faire prendre à notre pays un nouveau départ. J'ai commencé les discussions avec les signataires de l'accord dans le cadre de sa mise en application et je dois les poursuivre dans les jours qui viennent. J'ai choisi la voie la plus rapide pour aller vers des élections libres, transparentes, inclusives et non partisanes. Certains souhaitent une transition plus longue. Mais avec beaucoup d'autres, je crois que ce n'est pas la bonne formule. Je ne désespère pas de convaincre ceux qui sont encore réticents à rejoindre les signataires de l'accord subventionné pour que nous allions ensemble dans la paix et dans le dialogue permanent. Voilà, la police nationale d'Haïti lui-même lui fait quadrillage de zone métropolitaine, yon manière pour lui combattre kidnapping qui continue à faire chimer yo paisiblement. Immédiatement que la police nationale d'Haïti lui-même li fin fait quadrillage si là, ça pas empêché que dans zone métropolitaine encore une fois, il y a plusieurs cas de kidnapping
qui déjà répété. Et dernièrement là, dans Claircine, yo kidnappé yon jeune demoiselle. Qui donc, plus passé 15 cas de kidnapping, getan fait présence sorti semaine qui sont passé à là pour arriver dimanche 26 septembre 2021. Gen yon série de ravisseurs yo et qui a demandé fami moun sa yo l'argent yon manière pour yo capable ba yo manger le temps que fami yon li même y arrive joine ça nous ta karele l'argent pour yo payer rançon pour yo remettre moun yo kidnappé. Il y a trois personnes qui ont kidnappé dans le 25 septembre, dont une là-dedans, c'est un ancien soldat retraité américain qui a plus passé 80 ans et qui a demandé 6 millions de dollars pour y arriver libéré. N'a pas rappelé que envoyé spécial pays États-Unis en Haïti qui démissionnait à Daniel Foote demandé les États-Unis pour lui voyer des troupes armées en de pays d'Haïti, une manière pour capable combattre gang armée ça qui continuait à faire bout de chemin paisiblement dans pays là. Ça que les États-Unis lui-même lui était arrivé refuser. Et donc Daniel Foote lui-même lui était venu réaliser que les États-Unis décidaient boycotter travail ça que yo même yo confié comme mission pour lui était venu faire en Haïti qui sait joindre une solution ensemble avec crise actuelle pays d'Haïti. Nous voulons savoir que hier dans l'église dans rue de la Réunion et bien moun ensemble avec zam yo pas arrivé identifier tuer yon diacre et kidnapper madame mi et jusqu'à présent là madame nan li même li nan men ravisseur qui docteur ka remarqué que insécurité a li pa gen porte li pa frappé li frappé porte l'église li frappé porte kay li frappé porte l'école li frappé porte travail li frappé toute porte qui en dans pays d'Haïti qui donc c'est yon défi qui pi urgent que gouvernement haïtien li même li gagné pour li relever alors que ancien élu la Tibonite là te fait connait notamment que insécurité a si on ti grain de sablier par rapport ensemble avec tout ça que pays d'Haïti li même li a confronté. Et c'est insécurité ça qui vient craser économie pays ya parce que chaque yo enlevé au moun yo obligé payer kob yo manière pour yo ka libérer moun si là et mais qui ça qui prend coup économie pays ya. Donc situation là li vraiment délicate et premier ministre Ariel Henry lui-même li gen comme mission au lieu pour chita la prévoquer moun pas si pas là qui empêchait joindre justice selon lui-même pour président Jovenel Moïse et militant supposé focus on ti calpi plus sous question qui gen awè ensemble avec sécurité a en dans pays d'Haïti. Dans semaine ça qui commencé à là, Brian Nichols et Juan Gonzalez qui c'est deux nouveaux ambassadeurs que les États-Unis lui-même a gagné pour voyer en dans pays d'Haïti, yon manière pour capable rencontrer acteurs politiques mais surtout chita ensemble avec moun qui dans société civile là, yon manière pour capable joindre une solution ensemble avec crise actuelle pays d'Haïti. Alejandro Marocas li même bon côté parle fait connait que gen 12 400 haïtiens nan moment là et mais qui joine liberté yo aux États-Unis yo manière pour capable passer devant un juge immigration et gen 3 000 environ qui nan prison et gen puisse passer 5 000 et bien que y a gardé et analysé est-ce que yo même tout yo gen capacité pour être capable d'arriver libéré. Bon côté parle Panama li même li joine n'importe 75 haïtiens mélangés ensemble avec cubains qui t'a tenté rentrer illégalement dans pays ya. Pays Argentine bon côté parle adhérer ensemble avec décision qui prend pour pays yo mettre tête ensemble yo manière pour capable aider pays d'Haïti sorti dans situation ça que li a dans crise difficile à compliquer ça que li a fait face ensemble avec lui depuis quelque temps et li fait connaître que li paraît et prêt yo manière pour li bail toute aide qui possible pour li capable aider pays d'Haïti puisque pays d'Haïti lui-même li fait partie de Amérique et tout ça qui touche pays d'Haïti ka touche yo de près ou de loin puisque yo même tout yo gen haïtien dans pays yo et Haïti c'est yon nan pays qui fait plus transfert aller vers l'étranger nan moment que nous a parlé là puisque pi fort moun yo même yo déplacé yo quitté pays ya yo manière pour capable à chercher la vie meilleure sous yon lot terre. Relation éclairée avec programme des Nations Unies pour le développement PNUD et bien lancé yon programme là qui porte nom accès
accès à la justice qui pral gagner pour permettre moun ki ap croupi nan prison depuis plusieurs années et qui pa gen l'argent pour payer avocat, eh bien reçu passer devant au juge. N'ap songe que avant que Jovenel Moïse même li te mouri, li te lancé yon programme konsa ki t'ap pral gagner pour te travail ensemble avec moun ki nan détention préventive prolongée yo. Eh bien, ça que président Jovenel Moïse même li pat getan arrive wè. Fondation J'éclairé qui gen en tête li Samuel Madistin, eh bien ta bay plus détail sous ça qui gen a wè ensemble avec programme si la. Ça nous le dit c'est que Fondation J'éclairé nan cadre d'activité monitoring des institutions publiques l'a fait. Dans prison yo, nous fait des constats alarmants. Nous constatons des cas, par exemple, un monde qui est en prison, qui est jugé, qui est condamné, par exemple, pour 3 ans, et puis il a 8 ans en prison, il est là toujours. Il est beaucoup sorti. L'un cherche à comprendre la raison, c'est que le monde n'a pas qu'à sortir parce que le greffier dans le tribunal, le jour de juger, n'a pas voué dispositif jugement dans la prison. Et parfois, le dispositif de jugement, parfois, c'est parce qu'elle t'attend que par an, les gens qui sont en prison, bal 500 gouttes, 1000 gouttes pour frais d'expédition que les gens n'ont pas gagné. Donc, les gens fait 4-5 ans de prison en plus pour 1000 gouttes, pour 500 gouttes. Donc, les gens jugé, les condamné, les fait tant en prison, mais ils pas qu'à libérer pour être 500 gouttes. Et pendant que nous parlons là, la situation ça pas concerné les de monde. Nous jouons, par exemple, dans la prison civile Port-au-Prince, il y a 474 personnes qui sont en prison depuis 2010. Son commissaire gouvernement qui fait un mandat de coup, niveau le pénitentiaire, le commissaire gouvernement ne doit pas dans la justice encore, ou bien il prend promotion en appel, mais depuis 10-11 ans, les gens sont en prison, pas jamais bon juge qui est là, il n'y a pas jamais comparaître devant autorité judiciaire, il n'y a pas un dossier qui introduit dans le cabinet d'instruction. Donc, son monde a abandonné, il était là depuis 2010. Il y a 102 personnes qui sont en prison dans la pénitentiaire nationale qui en attente de jugement depuis 2010. Toutes conditions réunies pour juger, mais ils n'ont pas jamais jugé. Il y a 189 détenus qui ont un dossier depuis 2010 dans le cabinet d'instruction. Des fois, le juge d'instruction sur le dossier a mandat le bout, il n'a pas renouvelé. Ou bien il prend promotion là, dans l'appel. Il n'a pas jamais fait inventaire pour prendre le dossier ça, pour envoyer le baron à l'autre juge. Donc la loi prévoit pour le juge là, tu fait 3 mois pour le rendre ordonnance. Et bien, il est en prison depuis 2010, depuis 11 ans même. Donc, cabinet d'instruction n'a pas jamais rendu ordonnance pour lui, ni ordonnance de renvoi, ni ordonnance qui a dit qu'il voulait le juger, ni ordonnance de non-lieu qui pour libérer. Donc, il a abandonné la prison. Dans la prison, femmes sont dans le cabaret. Depuis 2012, il y a 40 femmes qui ont une décision pour vouloir juger. Pour ça, ils pas jamais fait. Ils n'ont pas jamais jugé pour fixer au sous-sol. Il y a 70 femmes depuis 2012 que le commissaire gouvernement voyait dans la prison. Il n'y a pas jamais comparé devant un juge. Dossier pour qu'on jamais introduit ni dans le tribunal ni dans le cabinet d'instruction. Situation ça interpelle nous et nous rendons compte tout le monde ça qui a fait prison préventive ça qui a abandonné dans la prison. C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas de moyens pour payer un avocat. C'est des démunis arrivés. Les gens qui ont une situation, qui ont des moyens pour payer un avocat, nous ne joignent pas dans cette situation. C'est ça que fait, avec le concours du programme des Nations Unies pour le développement de l'EPNUD, nous mettons le programme ça sous pied pour nous voler au secours de ces démunis, des gens pour nous renforcer l'accès à la justice. Là. Accès à la justice, là, ça veut dire c'est un citoyen qui a droit à l'algon problème pour qu'on juge qui tendel pour qu'on décision rende dans problème nian et pour décision ça capable exécuter. Donc moun qui pas gain moyen généralement yo pas gain accès ça à la justice.
Donc programme là c'est renforcer accès ça et nous gain deux volets là-dedans. Premier volet c'est en assistance juridique que n'a bail moun qui gain besoin ça. Ça veut dire qui ça? N'a gain en permanence dans fondation J'éclairé dans bureau côté gain des avocats qui là du lundi au vendredi de 8h du matin à midi pour bail des consultations juridiques à moun qui gain des problèmes juridiques et qui pas ka payer un avocat. Donc toute consultation ça yo pral fait gratis ti chéri. Deuxième volet c'est un assistant judiciaire. Ça veut dire tout moun qui gain problème la justice et qui tout ka nou sot cité là côté moun yo et mi juge pas attendre yo dossier yo fermé nan tiroir yo abandonné yo nan prison. Eh bien parce que moun sa yo pa gen moyen pour payer un avocat, eh bien fondation a gon équipe avocat kap au service de moun sa yo pour n'accompagner yo gratuitement pour permettre que yo capable intervenir sous dossier yo, décision pran yo capable exécuter pour nous respecter droit que moun yo gen. L'on moun privé de liberté li nan prison, ça pa vle di que l pa gen droit, li gen des droits. Et droit, il y a un premier droit que quelqu'un a, son droit fondamental, son droit pour le comparaître par devant les autorités judiciaires. Donc l'autre droit que quelqu'un a, son droit pour le juger, pour le fixer sous sol, pour le compte pour qui ça là, pour combien de temps là, et s'il doit libérer, pour le libérer. Et l'elfine qui a une décision, ça, l'autre droit, c'est le droit à l'exécution des décisions obtenues. Droit pour le jugement qu'elle a obtenu pour exécuter. Li pas normal dans pays pour juger un monde pour condamner li fin fait tant la loi prévoir que condamnation en bali à en prison pour le pas ca libérer peut-être 500 goud peut-être 1000 goud pour le bailler en greffier pour capable taper décision pour lui et bien tout monde ça qui dans situation ça yo et bien après le supporter pour nous renforcer accès à la justice de monde démuni ça. Moun ki pa capable bénéficier des supports de appui fondation J'éclairé yo, c'est moun ki yo accusé nan cas viol. Nou pa défendre moun ki a violé moun. Moun ki nan fait enlèvement et séquestration, nou pa défendre kidnapper. Moun ki nan drogue, pa ka bénéficier support nou. Et quatrièmement, moun ki fè nan traite des personnes, c'est-à-dire moun ka pran moun pour recruter par la violence, la ruse, la tromperie et puis pour exploiter sexuellement ou bien pour exploiter par le travail forcé, par la vente des organes, moun ki nan crime grave sa yo, nou pa défann yo. A pas quatre catégories de détenus sa yo, tout moun ki en situation côté au besoin assistance juridique ou bien assistance judiciaire dont avocat et pour pas gain moyen pour payer avocat, fondation J'éclairé représente jodi a on porte pour que vous capable frapper et pour nous voler au secours de vous. Voilà, c'est là nous mettons un bout ensemble avec information pour jodi a. Merci d'être aux amis fidèles TAC Info Plus. Merci d'être continuer like, commenter, partager. Merci d'être continuer inviter en famille avec vos amis. Restez connecté avec chaîne si là pour capable gain bon information. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye.